Salut tout le monde, c'est l'Alchimiste, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo sur Dragon Ball Legend et je suis en compagnie de mon fiston. Salut. Alors, on va faire tout de suite un tirage sur la bannière qui vient tout juste d'arriver. Juste après la bannière de Sangoku Ultra Instinct, la bannière Sparking Limit Break. Alors normalement, on ne devrait pas faire de tirage sur cette bannière-là parce que, bon, un joueur free-to-play, normalement, il a économisé pas mal de cristaux pour la bannière qui est juste en dessous. Là, on peut avoir Jiren, Topo, Dispo et Sangoku Ultra Instinct. Normalement, n'importe qui a tout claqué et il n'a plus de cristaux. Et juste après, il te balance cette bannière Sparking Limit Break. Bon alors, cette bannière est assez particulière quand on regarde les persos à obtenir. On voit que c'est que des persos LF, hein, on voit beaucoup trop LF, Vegeta LF, même Vegeto, Super Vegeto LF. Enfin bref, j'ai remarqué qu'il y avait tous les LF, excepté évidemment Vegeto Blue, et quelques-uns du style, je sais pas moi, Piccolo, ou même Vegeta, Majin Vegeta Blue, quoi. Enfin, tribu bleue, je veux dire. Bref, vraiment, c'est vraiment une bannière, bon, à part les 4 nouveaux persos des 2 ans, très très LF. Alors évidemment, c'est très intéressant. Mais bon, c'est pas ça qu'on cherchait exactement dans cette bannière-là. Ce qu'on cherche plutôt, c'est les récompenses de tirage. Je m'explique. Déjà, la bannière setup, normalement, c'est 4200. Là, les 7 paliers coûtent seulement 3000. Et à chaque fois, on aura, par exemple, vous voyez là, 100 multi-pouvoirs Z. Bon, c'est bien. Hein, après, palier 2, 100 multi, palier 3, 200 multi, palier 4, 200 multi, palier 5, 200 multi, et 6, pareil, 200 multi. Ça, c'est excellent. Franchement, ça nous donne envie de le faire. Rien que pour ça, ça nous donne envie de le faire. Et palier 7, alors là, carrément, c'est le Saint Graal. C'est carrément 600 pouvoirs Z multi, mais aussi qu'on peut dépenser sur les persos Legend Limited. Ce que d'habitude, on ne peut pas faire avec les pouvoirs Z. Alors ça, c'est vraiment le cadeau de Noël avant l'heure. C'est vraiment l'objet qu'on veut tous, parce que c'est vraiment très, 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 très rare en soi. Et normalement, même si on un cash player devrait débourser pas mal d'argent pour avoir cet objet, on va dire. Alors, on va le faire pour avoir cet objet-là. Mais bon, il y a tellement de rumeurs qui disent que peut-être que vers Noël ou même après Noël, limite Nouvel An, on risque d'avoir un Gogeta Blue qui risque d'arriver. Franchement, de la part de Bandai Namco, faire une bannière Goku Ultra Instinct où tout le monde claque ses cristaux, après nous sortir ça pour que les cash players dépensent vraiment pas mal d'argent pour faire leur plein de cristaux et avoir ces objets-là, et après remettre un Gogeta Blue, rumeur, je précise toujours, vraiment, franchement, c'est commercialement très très malin. Beaucoup disent oh, c'est pas malin de mettre des persos ultra rares et ultra cheatés l'un après l'autre. Non, justement, c'est très très malin, c'est très vicelard, je dirais même, de la part de Bandai, de mettre des persos l'un à côté de l'autre. Ça oblige tout le monde à acheter des cristaux, parce qu'on a tous dépensé plein de cristaux pour, par exemple, beaucoup Ultra Instinct. Ça nous oblige à dépenser de l'argent pour acheter des cristaux et pour faire des tirages sur les bannières prochaines. Voilà. Enfin bref, on va faire au moins les 7 paliers. Et en fonction de ce qu'on aura, hein, on verra si on peut refaire un autre tour de palier. On peut se permettre, parce qu'on a plus de 24 000 cristaux, on peut se permettre. Hein. J'aurais eu 10 000, je l'aurais pas fait, je vous le dis franchement. Mais là, bon, voilà, on peut se permettre et je ne cracherai pas sur les 600 pouvoirs Z Finish Limited. D'accord ? Donc, comme moi j'ai la poisse et mon fils. Non, c'est plutôt mon fils qui va faire les tirages à ma place. Donc, Paul, si tu veux bien commencer les tirages. Heureusement que t'as fait le plein de cristaux. Ouais, mais bon, c'était pas évident. Hein. C'est vrai que le jeu a été très généreux en cristaux au mois de décembre. Ça, faut reconnaître. Allez, c'est parti. Bon, t'as eu énormément de chance sur la bannière de Goku Ultra Instinct. Tellement de chance que je ne t'en voudrais pas si tu n'as pas de chance sur cette bannière. Je ne t'en voudrais pas. Je vous le cache pas que la première fois que j'ai vu cette bannière apparaître, je me suis dit que c'était une bannière piège. Pour que tout le monde dépense ses cristaux dessus et après nous sortir un Gogeta Blue, quoi. Ok. C'est les premiers paliers, donc je vais pas m'attendre à du lourd. Hein. Ouais, c'est du jeu extrême, pas mal. Bon. Voilà, allez, on continue. On va enchaîner. Tant qu'on n'a pas de sparking, on enchaîne. Et après, je dis bien que c'est que des rumeurs, hein, le Gogeta Blue. Hein. Ça se trouve, il n'y aura que dalle. Hein. Mais bon,
j'ai quand même gardé des cristaux sous le coude, on ne sait jamais. Ouais. S'il y a un gauche et tabou qui arrive, alors là, je vous jure, tout le monde va se jeter dessus. Même moi, je risque de dépenser la totalité de mes cristaux dessus. Hein. Après, il faut voir. Quel attribut, quelle capacité, il faut voir. Alors... Pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Hein. Si t'as de la chance, ça viendra après. Hein. Que des héros qu'on a déjà, on s'en fout. Rien n'est perdu, hein. À chaque tirage qu'on fait là, on a des pouvoirs Z. Donc voilà quoi, c'est rien de perdu. Bon, peut-être un petit pouvoir Z quand même. Au moins un Sparking, je sais pas moi. Déjà un LF, ce serait bien un LF. Il y a tellement de LF dans cette bannière. Ah. C'est pas un LF, mais c'est quand même un très bon perso. Qui dit 20. Encore ? Ah. Oh bah non. Bon alors bon, perso tellement inutile. Mais c'est mon perso à moi. Voilà, comme vous le voyez, à chaque fois que je fais des vidéos, c'est le perso que j'ai en début de bannière. Enfin, un début sur le fond des 30. Donc c'est mon petit kiff perso. Hein. Inutile, mais mon kiff perso. Bon, ok. Bon bah quand même de Sparking, c'est déjà pas mal, on va pas cracher dessus. Mais comme je vous le dis, c'est une bannière LF, donc je m'attends à du LF. Il croise les doigts. Oh bah y a pas que les doigts que je croise, hein. Je peux dire que je croise à peu près tout là. Hein. Alors le problème, et ce qui est intelligent aussi encore de la part du jeu, c'est que les cristaux, enfin les pouvoirs Z qu'il en a, nous avons 6 jours pour les dépenser. Eh ouais, 6 jours. Les 600 pouvoirs Z LF qu'on chope à la fin du 7ème palier, on peut très bien les garder pour un Gogetabou si jamais il est LF lui. Quoi. Mais voilà, 6 jours. Si Namco est intelligent, ils attendront 6 jours. Oula. C'est pas un LF, mais j'adore ce perso. Il est beau. Il blague beaucoup et génial. Ça fait un autre. Ok. Ok. Bon, encore un extrême, hein, et toujours pas de LF. Bon. Mais quand même, c'est tout. Oui, on crache pas dessus. Mais je veux du LF. Après, le meilleur élève que je souhaiterais avoir, ça restera du Super Végéto, hein, attribut violet. Tout le monde dit qu'il est has-been, mais je ne suis absolument pas d'accord. Il fait partie de ma team guerrier fusionné et il m'a sorti d'énormément de situations assez terribles. Oh là, ça c'est bon signe ça. Oh là, on a tout. On a le nuage, on a Goku Blue, on a Freezer, Golden Freezer, on a l'espace, on a tout. Bah alors. Allez, fais-le bien. Alors. Ah ouais, d'accord. Oui, il y a un Sparking, c'est obligé. Hein. Ah, le voilà. Et bah voilà. Alors lui, je l'avais pas. Voilà le L1 LF. Voilà. Et Goku SJ3 que je n'avais pas. Encore un. Alors lui, d'accord. Alors lui, vas-y, passe. Pas de commentaire. Le gros bâtard. Il n'y a pas de commentaire, carrément. Je jouerai jamais avec. Hein. Mais on a Goku LF que j'avais pas. Je suis content. En plus, on a même celle en extrême que je n'avais pas non plus. Donc déjà, je suis content de ce tirage de palier setup. Hein. Au moins, il y a eu 10 parkings et il y a eu un LF. C'est pas fini, on n'a pas encore arrivé au 7ème palier.
Ah, je crois pas, je sais même pas à quel palier on est. Depuis tout à l'heure, on fait des tirages, on parle, mais... Non. Ouais, bon, non, là, que de la double. Vous remarquerez, c'est pas des tirages de 10, c'est des tirages de 5, déjà. Ah, alors déjà, palier terminé, ça y est. On a terminé notre palier. Hein, et on va refaire encore un tirage. Tu peux appuyer. Voilà. Ah ouais, mais bon signe. Quand je vois téléchargement, bon signe à chaque fois. Hein. Ah, bon, bah, ça n'a pas l'air joyeux, mais bon, on sait jamais. On va attendre. Bon, alors après, oui, c'est, je disais, c'est quoi? C'est 5 tirages. Enfin, 5 5 tirages par palier. Alors que normalement, c'est 10. Alors, est-ce qu'il y a de l'arnaque ou pas? Sachant que ça coûte 3000, alors que, bon, ça fait 4200. Ah, il y aura du sparking dans l'air. Mais bon, avec les cadeaux qu'on a, je vous l'ai dit, les pouvoirs Z, c'est très très rentable. Voilà. Ah, nickel. Oui, c'est vrai que j'adore. Ouais, Piccolo, ouais. Encore, oulala, 3. Oui, super. Pardon, excusez-moi. Ça c'est... Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a has-been. Pas du tout, pas du tout, bordel. Ça, c'est bon. Ouais. Alors, très très bon tirage, très très bonne bannière. J'ai peur de la bannière trappe, hein, je vous cache pas. 4 étoiles, il va passer à 6 étoiles très rapidement, lui. Moi, je vous le dis. Ouais, franchement. Je vous disais, j'ai peur que c'était une bannière piège. Non, pas du tout. Quand vous le voyez, là, il y a eu du LF, il y a eu mon cadeau, voilà. Là, on a fait le tour, hein. On a eu Super Végéto en LF, on était à Goku et SG3 en LF. Alors voilà, on a fait le tour. En plus, c'était le dernier, c'est cool. Ouais, et surprise, voilà, c'est tout. On ne pouvait faire le setup qu'une seule fois. On pouvait pas enchaîner. C'est dommage, parce que moi, j'aurais bien enchaîné, je vous cache pas. Hein. Les 600 pouvoirs Z, là, ils auraient enchaîné en LF, vous ne pouvez pas imaginer. Mais voilà, on pouvait le faire qu'une fois, donc bon, ceux qui hésitent à le faire et qui se disent ouais c'est une bannière piège avant la sortie d'un gros Gogeta Blue qui arrive, non c'est pas piège, vous voyez bien hein, ce que j'ai eu, on a eu beaucoup de sparking, donc bon, enfin mon fils a eu beaucoup de sparking, je suis sûr et certain que je n'aurais pas eu la même chance si j'avais fait moi-même tout seul dans un coin, hein. Voilà, c'est mon fils qui l'a fait, à la fin il a chopé Super Végéto à Tribus Violet, et là, rien que ça, je sais que pour avoir ce perso-là, il faut une chance de cocu. Bon, mon fils n'est pas cocu, il a que 9 ans, mais voilà quoi. Hein, donc je suis très satisfait, je remercie mon fils, et je vous donne vraiment le feu vert pour y aller à fond avant l'arrivée d'un gros qui arrive derrière. Oh, Allez, viens, appuie là. Ouais, vas-y. J'ai envie. Écoute pas ce que je dis, j'ai envie de dire nique sa mère, allez, on y va. Et jouer à la bannière, nouveau perso, 1000, on peut y aller et tout. Rien à voir avec la vidéo. Déjà, je sais qu'il y a un Spartan qui va tomber. Je sais que t'as de la chance, et puis comme là, t'avais le doigt tout près de la bannière, je me dis, allez hop. De la chance sur cette bannière, je prends. Voilà. Je compte sur ta chance. J'ai jamais vu celle-là. Avec Végéta Blue et Goku Blue. Non, celle-là, je l'avais jamais vue. Kefla, je prends. Très très bon, toujours dans ma team guerrier fusionné. Bon, bon, SM, c'est 15. Bon, il se fait un trunk. Et Yamcha va te flanquer. Jiren, on l'avait pas. Rappelle-toi la bannière qu'on avait faite. On l'avait pas. On avait eu tout le monde, sauf Jiren. Et ben le voilà, le Jiren. Et aujourd'hui, on fait plein de nouveaux persos. Moi, je te le dis, hein, attention. Hein. Ok. Encore un qui arrive.
Ah, vas-y, viens, comme c'est, passe 3 étoiles, il n'y a pas de souci. Sangwan adulte, ok, je prends aussi. Je prends tout le monde là, c'était une très. J'ai bien fait de te dire d'appuyer dessus. J'ai bien fait, je regrette que dalle. En tout cas, on espère que vous aurez les mêmes que nous. Oui. Bah, si vous avez des enfants, allez-y, hein. Faites-leur tirage. Dites-leur de faire le tirage. Je dirai jamais assez. Tu peux appuyer, pardon. C'est toi qui appuies, c'est pas moi. Et Jiren, du coup, vu qu'on l'a chopé deux fois, il passe 3 étoiles et il a sa capacité. Très bien, très très bien. Tu me ok, hein, voilà, hop. Non, le sixième tirage, on va pas le faire. On voulait vraiment, j'avais dit de faire ça parce que c'était les nouveaux persos, et comme sur cette bannière, le nouveau perso, le seul que j'avais pas, c'était Jiren. Voilà, c'est chose faite. Donc voilà, c'était le petit bonus de fin de vidéo, hein, qui avait rien à voir. Mais voilà. Bon bah, écoutez, moi je m'en tire pas mal. Et en plus, il me reste plus de 20 000 cristaux si jamais il y a un futur Gogeta Blue rumeur. Attention, je précise, j'y arrive. Donc voilà. Allez-y franchement, et moi je vous dis bonne chance pour votre tirage et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.